Ce jeudi 5 janvier, la foule était agglutinée place Saint-Pierre à Rome pour assister aux funérailles du pape Benoît XVI. Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier à l'âge de 95 ans. Et au milieu des nombreux fidèles, deux visages familiers, Clotilde Courau et sa fille Vittoria. L'actrice française de 53 ans, devenue princesse de Venise et de Piémont en épousant Emmanuel Philibert de Savoie, était installée auprès de son aîné, la princesse de Carignan. Le pape Benoît XVI avait reçu plusieurs fois des membres de la famille royale en audience privée, tant au Vatican qu'à Turin. Mère et fille, sobrement vêtues de noir, étaient placées derrière le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique. À noter que de nombreuses têtes couronnées manquaient à l'appel, notamment le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène.